m'appelle Elisabeth Andoy, je suis la directrice générale et artistique de l'organisme MU. C'est ma soirée bénéfice ce soir. On fête nos 10 ans. It's quite a kick-ass evening. Et je suis pas mal fière d'être ici avec toute ma gang, tous mes amis. MU a changé ma vie. C'est un organisme de charité qui embellit Montréal avec des murales, qui fait travailler des artistes, qui inspire des jeunes à poursuivre leurs rêves dans le milieu artistique. On change le monde avec l'art. Dans le fond, on a été un petit peu le précurseur du renouveau de l'art mural à Montréal. C'est-à-dire que partout dans le monde, il y a en ce moment un trend incroyable pour le street art. L'œuvre se réalise, les gens sont transportés, les gens posent des questions. Souvent, les gens qui n'ont pas nécessairement même des accès, qui sont familiers avec l'art ou qui sont intimidés par l'art. Puis là, le fait qu'on est là dans le temps longtemps, bien, ça leur permet de poser des questions, apprivoiser tranquillement le travail à leur rythme, puis voir même le travail, parce que souvent, en art visuel, bien, on voit les œuvres une fois qu'elles sont terminées, on voit les œuvres en galerie, dans des musées, mais on ne voit pas tout le processus créatif. N'importe où je passe à Montréal, en voiture, à pied, en vélo, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de se prendre en photo, qui est en train de pointer, un père avec sa fille, un autobus de touriste. Fait que c'est ce qui me touche, parce que c'est pas juste la fierté, encore une fois, de la murale comme une décoration, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont en train d'en parler, puis qui sont touchés, puis avoir un leg, en fait, laisser quelque chose pour la ville, je trouve ça vraiment génial. Puis pour les artistes, parce que ben, c'est leur vitrine, en fait, c'est pas la mienne. Donc c'est aux artistes que ça permet d'avoir une place dans l'espace public, de se faire un nom, créer un dialogue avec l'histoire. Thank you.
bientôt.